Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec les Cavaliers Célestes. Et dans l'épisode précédent, nous sommes attaqués à la région tibétaine et au nord surtout. Hein, dans l'épisode précédent, nous avons pris ce qui restait du Tibet au nord. Donc là, on a le sud et un petit bout sur le plateau, mais rien de grave. Facilement gérable. Leur sentiment de clan, c'est lui, c'est Sartak. On va aller améliorer le sentiment de clan chez Sartak, qui est le plus petit. Lui, donc toi, tu vas venir améliorer le sentiment de clan. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de s'attaquer à ça, donc à lui. Puis éventuellement à son vassal rebelle. Et puis Bashkiri. Parce que l'objectif, c'est de prendre l'ensemble des steppes, donc c'est de tout prendre jusqu'à ici. Ce sera pas sur cet épisode, bien évidemment, mais ce sera au final de tout prendre jusqu'à là-bas. Ce sera l'objectif, le prochain objectif que l'on va atteindre, qu'on va prendre. Ce qui fait beaucoup de provinces, enfin comment dire, beaucoup de provinces à aller gérer. Alors ils veulent encore des nouvelles provinces, super. Hop, lui. On va le donner à lui ici, on va le faire avancer. Ça c'est bon, ça a été libéré, c'est Canil. Accorder un titre foncier. C'est avant, ici. P, Q, Camille. Voilà. Ça ils vont me dire que c'est tout le territoire, parce qu'en fait c'est que les provinces qui n'ont pas encore été gérées. Ok, ça plante. Okay. Ah non, ici apparemment. Non, c'est bon. Ça se gère. Donc là, normalement, toutes nos troupes sont en déplacement. Sauf peut-être une qui reste, c'est ça, elle qui reste pour gérer les éventuelles rébellions. Oh non, j'ai la dysenterie, ça c'est pas cool. Une fois qu'on sera emparé de ça, on viendra peut-être s'emparer de la Perse, ça pourrait être une idée. Ou alors venir foncer sur l'Inde. Emprisonné. Donc je vais donner un nouveau physicien de la cour. Mais il est grand temps d'aller nettoyer tout ça. Bon, ici il y a plein de villages. Donc ça va être facile à prendre, tout ce qui est village. Il y a lui ici et lui ici qui ne doivent pas bouger vu qu'ils sont sur des capitales. Et nous on va... je pense qu'on va recruter quelques armées supplémentaires. 1, 2, 3, 4... On est à combien là? Il m'en faut 3 encore. Une armée supplémentaire. 5, 6, 7, 8. Quatre armées supplémentaires, ce serait bien, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je fais des armées un peu random comme ça et c'est fait exprès. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai plus la dysenterie, parfait. Nouvelle de la Chine, d'accord, bah ils vont encore attaquer, mais c'est pas étonnant. Hein. Ils sont en train de gérer tout ça. Même s'ils sont plus là, ils imposent leur présence en Inde, indirectement. C'est rien, ce sera plus marrant à attaquer. Alors, je vais... Hop, les préparer, ainsi je pourrais ensuite gérer 4, peut-être créer 4 autres derrière. Ou alors, pour toutes les armées, je verrai combien, et alors créer 1000 hommes par armée en plus. Ou bien doubler les armées, je sais pas, mais 1000 hommes par armée, donc des armées de 3000, ce serait déjà très bien.
Hop, ici. Quoi, une alliance que lui souhaite. J'ai accepté. Et toi? Non, c'est pas du classique. Calme-toi le jeu. Je sais ce que je vais faire. Je vais fermer un d'autres programmes qui tournent en fond. Discord. Quitter. C'est tout ce que je peux fermer. Non, peut-être d'autres choses. Parce que là, en fait, j'ai pas mal de soucis. Ça lag. Voilà, ça devrait aller un peu mieux comme ça. Alors, on va se recréer 4 autres armées. Ou alors, non, je ferai des troupes pour tous. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, j'arrive pas à compter, ma souris saute en fait à cause des micro-lags. Faudra donc 19 000 hommes à faire. Non, je vais me créer une armée supplémentaire. Ainsi on aura 20 armées. Appel des steppes. Je vais le... Parce qu'en fait on... Osef peut... Voilà, un peu Osef. Rassemblement légendaire, il manque juste quelques points. Mais pour attaquer lui, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Toi tu vas venir ici, toi tu vas venir ici, et toi tu vas venir ici. On va attaquer Bashkiri pour ce... Enfin pas Bashkiri mais lui, pour ce qu'il est. C'est un random, on va lui apprendre la patience. Déclarer la guerre. Invasion. Je peux faire de l'invasion? Oui, je peux faire de l'invasion. Ah, il a aussi des terres. Oui, c'est ça. On s'en fout, on va faire invasion de Khazari. Ah, bien évidemment, les autres viennent, mais si on est assez rapide, ça devrait être facile en fait. Là, il reste ces deux-là à prendre, on a tout ce qu'on veut. À la capitale, je me demande, est-ce qu'on a... Non, on peut construire, on va augmenter... Frappe de la monnaie. Si on va augmenter les petits commerces... Offrir paix. Non. Son armée, ça risque pas d'être celle-là, mais c'est rien. Vas-y. What? Ah merde, il y en a un qui est mort et qui a été réintégré, c'est ça?
C'est ce que je vois. Et là, il me demande 44 terres. Donc ouais, il va falloir que je fasse ça. Super. En pleine guerre. Est-ce que je peux, en pleine guerre, scinder le clan? Oui. Scinder le clan à... Al-Malik. Et donc, toi, tu vas venir ici, là-bas. Accorder un titre foncier. C'est très chiant. Il y. Ensuite, c'est quoi ça être Gobalik. Talas. RT Talas. Otrar. Ici, voilà. Si je le fais pas tout de suite, en fait, on risque des soucis. Donc, un truc dans les S avec un Y. PQRS, ceci. Là, le lac, on va le garder pour nous. Donc, on va prendre un titre foncier Turgay. D'un titre foncier. Irgiz. HIJK. Titre foncier. Dans les baies, ça devrait pas être trop dur. Non, c'est pas celui-là. Celui-ci. Cordé. Titre foncier. Or. Accorder un titre foncier dans les M. Celle-ci. Udva. Rin. Bonja. Et ici, pour être sûr, on va remonter et puis on va refermer. On verra ce qu'ils demanderont. On va prendre Bolgar, celle-ci, donc le long du fleuve. Bolgar. Biliar. Dans les N. Je vais éviter de prononcer les noms à rallonge qui sont imprononçables. Bashkiri et Belaya, ça va aller. C'est bien ça. Les faciles à trouver, ça va. Bashkiri. Belaya. Irtek. Et Ilek. Très bien, à un côté de l'autre. Actiobé. Ça va être encore plus facile à trouver. Kael, donc Actiobé. Sakmara. Sakmara. Yek. Ça va être facile, c'est dans les derniers. C'est dans les chefferies. Oui, c'est dans les chefferies. Yek. Magdi. Manitaya. Manitaya, ça va être ici. Non, Manitaya, voilà. Kartaliayat. Ici, Kartaliayat. Ubagan. Ubagan. Kayalik. Kayalik ici. PQ. Kayalik. Karatal.
Almaty. Carluc. Bête. Ouais, non, celui-là, on va pas le dire. On va l'appeler Bête. Kara, on va l'appeler Kara parce que aussi imprononçable. Kazakh et Sarisu. Tengiz. Tengiz. Ishim. Il y a un truc dans les S. PQRS. Celle-ci. Ils en demandent encore 6. On va nous donner Volga et Uvec. Accorder un titre foncier. TUV, Uvec. Accorder un titre foncier. Volga. Et ici on peut lui donner là-haut, à la Buga. Ainsi on tracera la frontière tout de suite. À la Buga. Un truc dans les K. Kremetchouk. Vetluga. Vetluga. Kazan. Je vais donner quoi? Je ne sais pas, mais je ne sais pas donner Kazan. Si, à mon avis, je me suis fail et j'ai pas appuyé sur... Ah si, je suis donné, mais pas la chefferie. Je suis donné le duché ou une connerie comme ça. Truc dans les cas. Voilà. Marie. Et Galitch-Merski. Voilà, comme ça il devrait être content un petit moment. Ah mais fuck, il devait aller ici lui. Et où va-t-il? Ah bah super. Ah bah toi, tu vas venir ici en renfort alors. Hop. Bon, ce qui est bien, c'est que tous les mois, on gagne un peu de points. Hop, ici, offrir paix. Non, toujours pas. Et donc après, ce sera guerre contre Bashkiri pour prendre un maximum de terres. Obligatoire de prendre un maximum de terres. Faudra des troupes jusqu'au nord et donc on va se faire plaisir là-haut. Demandez de quitter la cour, allez-y. Faire un sacrifice de guerre, non. Cheval de guerre, on va prendre dragon. Parfait. Si je regarde la région à l'est. Une. Deux. C'est tout ce qui reste. Et ici c'est de l'ancien Tengrist mais une fois qu'il est mort ce sera du nouveau Tengrist. Donc pas de soucis avec lui. Par contre pour la guerre contre Bashkiri j'appellerai mes vassaux.
Ah tiens, 2500 sur celle-ci. Ça doit être la seule. Offrir paix. Pas de bâtiment. Non, ça m'appartient. Ok. Alors ici, vous. On va laisser tout le monde se regrouper. Les quatre, on va les emmener au nord. Ces quatre-là. On va les envoyer. Ici, ici, là. Et là, ça c'est très bien. Après le problème c'est qu'il faudra laisser des armées sur des trucs en arrière, comme ça. Là, est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. On le laissera, ok. Par contre, toi tu vas venir ici pour la forme, mais tu n'en auras pas besoin. Donc vous, c'est vous deux. Vous envoyez ici. Et ici. Là, on a fini quelque chose, je pense. On peut travailler un peu plus sur frappe de la monnaie, très bien. Ah, on peut faire des maisons de malades maintenant. Je suis toujours bien en nomade, machin chouette. Toujours un nomade, mais j'ai le droit de faire une faire la maison de malade. On va le faire. Et ici, que puis-je demander? Rassemblement légendaire? Faisons-le. On va peut-être avoir une lignée, enfin une deuxième lignée. Donc, le protectorat des régions de l'Ouest qui a frappé, encore. Là les 2500. Je vais me faire deux petites armées en plus. Hop. Je les fusionne. Et je les envoie ici. Ainsi ce sera la première armée de 3000. Je fais les préparatifs. C'est un cadeau de la part de l'Arkagan, bien évidemment. Toi, tu vas être... Fais ton devoir. Porté sur le devoir. Toi, tu vas être un grand guerrier, très bien. Ça va venir. Il reste que celle-ci. Ouais, ça va le faire alors. Est-ce que là-haut... Non, là-haut, ils sont loin d'être en position. Alors, toi, tu veux quoi? Non, pas de mariage avec des rebelles. Et, c'est quoi, prince de Hongrie? T'es loin, je vais accepter. Je vais même forger une alliance. Ouais, je vais forger une alliance. Et ainsi, je pourrais t'appeler en guerre. C'est juste pour ça, juste pour t'appeler en guerre. C'est bon, tout le monde est en position. Ok. Déclarer la guerre, invasion. Je peux faire invasion, je vais faire invasion de Khazari. Et c'est le début de la grande invasion. Et après il restera lui je pense. Plus la rébellion au milieu. Mais la rébellion au milieu qui s'en occupe. Hein, se défend de lui. Donc
Dans le pire des cas, on l'aura comme ça. Toi, tu n'as rien à faire, eh ben, tu vas venir ici. Je suis prisonnier. Et fuck. Donc fin de la guerre. Je suis prisonnier, il est à 100%. Ou alors il refuse et mais bon, voilà, fin de la guerre. Au moins, je ne suis pas mort. C'est déjà ça. Et on va pouvoir attaquer ça, c'est un révolte Khazar. On va pouvoir l'attaquer. Et ainsi, après, manger lui. Déclarer la guerre. Invasion. Invasion d'Alani. Hop. Toi, tu vas ici. Vous deux, ici et ici, et après on va voir pour le dernier. Qui l'a... À qui est... c'est pas moi qui l'ai, je pense. Hein. Quoique celui-là, si, peut-être. Mais là, tant qu'il a des troupes dessus, ça lui appartient, je suppose. Non, là, il y a quelque chose. Par contre, là, tant qu'il a des troupes dessus, ça lui appartient. J'aurais... Non, toi, tu restes là. Et on verra ce qui s'en passe de ce qui se passe sur ces guerres. Là, 11%. Ici, 94%. Ah, ben voilà, nickel, fin. Va falloir que j'attaque qui du coup? Toi ici, je peux pas te réattaquer tout de suite. Non. La Lituanie, je pourrais l'attaquer. Est-ce que ça fait partie des steppes? Non. Donc je vais plus attaquer la Khazarie. Que j'ai peut-être déjà attaqué en soi. Donc j'ai peut-être une trêve avec eux. Ouais, j'ai une trêve avec eux, super. On a une possibilité, c'est de faire ceci. On a une chance de le tuer. C'est pas l'or qui manque, donc on va envoyer plein d'or. Et on va attendre comme ça. Hop, vas-y. C'est qui? Lui, refusé, bien évidemment. ...134%. On va continuer parce que ça vaudra quelques points, mais ici, envoyé, voilà. Refusé. J'ai plein de prisonniers aussi. Hein. 60 prisonniers, quoi. Ici, ma capitale. Sur l'enclave et taille améliorée, très bien. Et ici,
Les proseries, et pour ce qui est de cette grande construction, c'est bon. Et là-bas, il doit y en avoir une aussi, à Otuken. Et oh, ça, on en est loin. Toi, il n'y a plus l'air d'avoir de soucis de révolte, donc tu vas pouvoir rejoindre le front. Je peux tenir la nerge, on va le faire. On va le faire, et ce que je vais faire en attendant, hein, en attendant la paix, elle est un peu moins vite, pour que ça lague moins, je vais me faire des armées. Ça, normalement, ça fait 1000. C'est ça? Ça fait 1000. Et donc, les armées de 1000, commencez à les répartir. Oui, vas-y. Apprenons lui à lire. Voilà, on va faire ça, on va répartir comme ça. Et là, il est mort, donc on va pouvoir repartir en guerre. Hop, déclarer la guerre, invasion. La Crimée, on s'en fout, on va envahir la Khazarie. À nouveau. Hop. Oh, il y a une partie qui a implosé en Novgorod. Bah, c'est une très bonne chose. Ok, accepter, on doit recruter notre enfant. Ah ben, je peux pas recruter pendant une guerre. Logique. Donc là, on est en mode, on prend tout ce qu'on peut. À partir de là-haut. Et vu qu'il y a des bâtiments partout sur le nord, ce sera plus facile. Que dans le sud, où là, il faudra... faudra être un peu plus patient. Alors ici, c'est tombé. Ok, tu vas venir jusque là. Ici, ça va tomber. Toi, tu vas aller ici. Quoique, non, d'abord, tu vas aller là. Et puis, tu vas revenir en arrière. Toi, juste, tu vas abandonner cette province pour venir prendre ceci. Hop. Là, il m'a attaqué à 1000. Donc, ouais, c'est bon, ça fait pas peur. Ici, on a pris. Oui, on a pris. Donc là, il y a à prendre. Ouais, on va pouvoir se faire plaisir là-haut. Toi. Ah non, mais toi, tu restes là. Ici. Il n'y a rien non plus. Toi. Toi, tu vas venir jusque là. Non, d'abord, tu vas faire ça, et puis tu vas venir jusqu'ici. Alors, ici, tu as pris. Très bien. Là, on a. On va passer sur Moscou. Ça.
ce sera... On arrive déjà à 35 minutes. Bon, on va finir quand même cette guerre dans cet épisode, quand même. Soyons raisonnables. Ça devrait aller très vite, hein, franchement. Va jusqu'ici. Va jusque là. Va ici. Toi, avance. On a Vladimir et Novgorod qui ont été libérés. Entre autres. Mais c'est les deux qui sont près de chez moi, donc... C'est ceux que j'ai repérés. Alors, les armées ennemies d'ici. Va aller là-bas. Tu vas aller ici. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien. Toi ici. Alors de temps en temps on va devoir venir nettoyer. Toi tu vas avec lui, toi tu vas aller là-bas. Alors ces deux-là sont pris. Bon bah ça aura été très vite. Ici, ah il y a rien et là il y a rien. Crotte. C'est pour ça que ça a été très vite parce qu'il y avait rien. Est-ce qu'ils ont un score ou alors c'est moi qui ai le score d'occupation? Je ne sais pas. Apparemment aucun des deux. Kazari si on regarde. Ça a occupé. Non non c'est normal. Voilà. Alors ici il y a quelque chose, là il y a quelque chose. Crotte. C'est quoi, toi tu vas pas aller très loin, tu vas te mettre ici. Toi. Là. Pourquoi? Ah mais c'est parce que c'est pas le même pays. Oui c'est pour ça qu'on s'en était même pas occupé. Ici c'est bon. Tu peux aller là-bas. Non, je prends tout. Maintenant que j'en suis là, on va pas s'arrêter. Ça c'est quoi? Oh, c'est des rebelles. Mais je pourrais même aller le prendre. Mais je vais leur laisser ça et ça, voyez. Et je sais pas, ils doivent... Ouais, c'est ça, ils ont des provinces là-bas. Donc... Ici, tu peux aller sur Kachin. Oh, ils sont chiants là.
Oui, c'est parce que j'occupe pas tout, mais en même temps, je défends ce que j'ai pris. On va attendre. Il y en a un qui va revenir reprendre celle-ci. Ici c'est... Ok, tu vas venir en renfort là-bas. T'es en renfort ici. C'est quoi? Non, on va le laisser reprendre ceci. Ce sera derrière le fleuve, il restera quelques provinces à gauche à droite, mais jamais assez pour qu'ils ne viennent nous embêter. Maréchal, ce sera toi. Ici, un enfant éduqué, ce sera un combattant. Fier et guerre, un fier combattant. Ici, tu seras aussi un fier combattant. On a plein de fiers combattants dans notre famille. Voilà. Tout le monde à sa position, oui. Offrir paix. Alors, regardons comme ça, hein. Très simple. Ici. Non, en fait, il faudrait mieux faire. Regardez tout ce qu'on a pris. Alors, faire ça. Ici, par exemple. Hop. Piller. 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 Très pratique ce petit bouton quand même. Hein. Même s'il nous fallait n'importe où, en haut, en bas, à gauche, à droite. En plus c'est bien, il y en a qui disparaissent et ils en demandent 19. 19. Alors, toi déjà, on va pouvoir te donner. On va te donner tout ça. Ça en fera 5. Je vais pouvoir t'en donner quelques-unes en gros. Accorder un titre foncier. Ta roue. Itil. Sarai. Saudsin. Ça fait très chinois comme je l'ai prononcé, mais... enfin, oui, chinois. Sao Tsin. Sao. Ah, parce que c'est un Saxin, en fait, c'est pas un O. Uzen. Uzen. Ici. Waouh, ça fera un épisode de 45 minutes, j'espère que... Vu que la série vous plaît à beaucoup d'entre vous, j'espère qu'un long épisode de temps en temps, ça vous dérange pas, que ça vous fait plaisir. On va te donner ça pour le moment. Et après, on va les donner à lui. Ah tiens, mais voilà, ce qu'on va faire, c'est que le Tibet sera divisé en deux. Et toi, tu vas déjà récupérer... Garder un titre foncier. Ça, on va dire que ça, oui, et le reste, ce sera un Indien. Pour le su... Ah oui, hein, ce sera un chef en Inde. Kashmira. Lait. Lait. GKL, les Scardu. Voilà. Tout le Tibet, on va le donner à lui. Oh fuck, ils vont m'attaquer. C'est qui ça déjà? C'est lui? Mais t'es pas censé. T'es pas censé m'attaquer moi en fait. Hein. On est censé être alliés, je rappelle.
À moins que tu sois en guerre contre moi, ce qui n'est pas encore le cas. Dunang. Ça devrait aller vite. Dunang. Yangguan. Hongxi. Hongxi. Yumen. Ici encore. Et Jiquan. Et il en reste combien à distribuer ? 5. On va lui donner les 5 premières provinces ici. Delhi. Bah oui, tout à fait. Delhi, c'est là-haut. Hein. C'est connu. Fuki. Fuki. FG. Donc ça doit être ici. Voilà. Seidmin. Seidmin. Lienkin. Et pour finir, Dulan. Dulan, voilà. Sur ce, nous on va se laisser ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours faire un tour sur le Utip. Le lien est en description. Vous regardez quelques pubs, ça me soutient et ça me fait très plaisir. Sur ce, on se laisse. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.